Donc là, la résistance, elle est là. Donc on voit bien les deux extrémités de la résistance ici et ici. Donc je vais vérifier si elle, déjà si elle est bonne. Là ensuite, là, il y a une sonde de température qui est là, normalement. Et donc elle, faut qu'elle passe le courant, mais forcément c'est pas facile de d'accès. Hein. Donc là, ça c'est un moteur qui fait le pour soit loger en haut le. Ça met soit le jet en haut, soit en bas. Ça, c'est la pompe de vidange qui est là. Donc ça a l'air de marcher. Donc de l'aquastop, lui, il y a bien de l'eau qui vient à l'aquastop. C'est ça là. Et donc là, il y a la cartographie qui est là. Là, c'était OK, brancher le la cartographie qui est ici. Donc ça, espérer que ça marche. Donc là, qu'est-ce qu'il y a encore là? Il y a un truc là, ici. Là. Donc là, moi, je l'ai mis sur le côté là. Normalement, ça, il doit pouvoir avoir accès à tout ce que je peux. Alors là, apparemment, le truc de pompe, là, ça doit pas se démonter. Hein. Cet appareil là, il est dans le fond de la cuve, positionné comme ça là. C'est un flotteur, hein.
Et donc, quand il n'y a pas d'eau dans le. Si jamais il y a une fuite d'eau, quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'eau, il met le contact, c'est-à-dire que le contact et de borne est mis. Et quand il y a de l'eau, ça coupe ce contact-là. C'est-à-dire que pour celui qui voudrait faire marcher, mettons, si ça déconne, là, il suffirait de chanter les deux trucs là. Donc là, j'ai dévissé toute la pièce qu'il y avait dessous, pour pouvoir tester là, les deux sondes de température. Il y a deux sondes pour voir s'il y en a une, et vu que ma résistance est bonne, pour voir s'il y a une continuité à ce niveau-là. Donc là, c'est pour ma résistance qui est cramée. Est-ce que là, elle a une continuité d'un côté comme de l'autre? Donc ça viendrait de cette platine-là, là, qui met pas bien le contact. Donc là, pour accéder, là, j'ai enlevé tout le carter, là. Donc là, normalement, je peux remonter. Donc là, ma pompe est démontée. Et normalement, elle doit pouvoir s'ouvrir de là. Mais là, j'ai regardé dedans, elle a l'air d'être propre. Et donc, je pense que elle marche. Et par contre, cet appareil-là, là, ce truc-là, là, il y a tout, ça vient de lui. Là, je vais essayer de démonter cette sonde là. Là. Ici, là. Donc là, mon lave-vaisselle Whirlpool ne chauffe plus. Ne chauffe plus, et donc. Après, comment diagnostic que j'ai fait, il semblerait donc je vais changer d'office la sonde thermique. Donc, sonde thermique qui est arrivée là. Référence Whirlpool, voilà. Donc ça, c'est je l'avais démonté, c'est ça. Et il paraît que donc c'est ça, c'est la chambre d'office. Et le problème que le lave-vaisselle a, il ne chauffe pas. Et chose bizarre, c'est qu'il n'a pas du tout de code d'erreur. Il n'a pas de code d'erreur. Il s'avère que le. Il a eu code FA parce qu'après mes bricolages. Il fuyait l'eau et le code F1, finalement, c'est le flotteur du bas de cuve. Donc là, j'ai défait le flotteur dessus la plaque, là, débranché.
Et la pièce en question, elle se trouve là, ici, là. Derrière là, et il y a deux clips pour la à chaque côté. Donc là, pour la déboîter, je vais mettre, me servir de moi de cuillère à café que j'emboîte dans les. Et couler par derrière là. Et ensuite, je vais la débrancher pour pas avoir démonté la pompe qui fonctionne. Et là, je vais peut-être contrôler voir la continuité des fils qui vont à la résistance. Les fils, ces fils-là. Voir si c'est un problème de connectique. Je vais pas y toucher pour l'instant. Donc je vais n'avoir. Et après, si jamais c'est pas ça, si jamais c'est pas cette pièce, cette fameuse pièce-là, c'est que c'est sûrement la cartographie. Donc là, ma pièce est sortie. On n'oubliera pas d'enlever le joint et de le mettre sur la pièce. Là. Donc ça, il s'agit bien de la même pièce. Donc c'est peut-être ça qui est défectueux. Donc là, ma pièce est correctement remise. Et donc, ben, il n'y a plus qu'à voir si ça marche. Moi, ça n'a rien changé et il chauffe toujours pas. Donc là, le niveau d'eau pour qu'il chauffe, il doit être comme ça. Là, c'est après arrêt momentané. Et donc le problème qu'il y a eu, et ça sans code d'erreur, finalement, c'est comment l'arrivée d'eau du mon robinet que je croyais qu'était ouvert parce qu'il est cassé. Il coulait un peu. Il coulait un peu, pas assez. Et donc il manquait d'eau. Et pour faire le test de chauffe là. Comme je voyais que je savais pas que c'était ça le niveau d'eau, je l'avais ouvert. Je l'avais ouvert comme ça, et j'ai rajouté la valeur d'un litre d'eau dedans. Et là, il a parti à chauffer. Alors que. Et donc, j'avais aucun code d'erreur. Ni le robinet qui s'allume en rouge, aucun code d'erreur. Et il s'avère que finalement c'était mon robinet qui était pas ouvert. Pas ouvert assez. Qui faisait pas bien. Donc là, quand il y a de l'eau dedans, on entend bien le. Il fait beaucoup plus de bruit parce que de l'autre sens il pompe un tout petit peu et puis top automatiquement il n'y a plus de. Une fois que la pompe se met en route et ce qui monte dans les râteliers là, automatiquement il y a plus d'eau en bas et c'est là qu'est la fameuse sonde là pour le de
qui dit de chauffer ou pas. Et donc ça bloque tout, ça bloque le fait qu'il n'y ait pas assez d'eau. Ça bloque aussi où qu'on met la lessive. Ça bloque tout. Et donc le machin il fait son cycle et il sort aucun code d'erreur. Voilà. Et donc il faut bien faire attention. Là, moi, ce que j'ai fait pour contrôler mon robinet, j'ai mis un bout de tuyau et puis voir si ça coulait bien. Et bon, bah, ça coulait pas assez.